When you fall down for a second, you could get up. That's the only way you reach to the ceiling. In the water too deep, keep your head up. And I wrote in this message. Seasons keep changing like trends. Fashion technology ought to be thin. When you drop it from like four stories or to me again. Seem like the world is a game, I never win. The feeling is depression that I start to attend. My mind in the motive that I'm molding again. To any character, holding the heritage of Aquarium. Hurry up, don't you hear sirens up in your area. There he go, more to the violence, he think hilarious. Mirrors, cause they want red and ring stop. They only want half like they harvesting crops. Half of the culture, half of the dialect, half of the neighborhood, as long as it's paying good. Half of the finances, they even want half of the modern day dances. They don't want the melanin, I hope that they settle in. Fall down for a second, never get up. Confession is the reason that you're played up. And your roots look blacker than the pale lung. And you're searching for an exit in the mirror. And your head hurting, where you at? It's not certain, you lost purpose. Your mind lurking, your time worthless. Nervous, but find versions of yourself who's a new person. I wonder why the seasons always affect my mood. I'm gloomy in the winter, quite happy in the spring. I'm witty in the summer like it's only time to sing. But fall's gonna take time to explain it all. Hoodie weather, school's starting, I need to do better. Improving everything, the possibility of life. I knew it was true from the moment I picked it. I'm rooted in trees and the leaves is the exit that calm dew, they smell in the morning. A
other senses that fell in the forest fawning. Haunting fences, you never did rise, rolling. Far from the ocean, the hope and the tide ticking. Telling a story that is open inside, soaking. Deep in your hope till your rope to abide. Passion, waiting to hop till the moment arrive. Beating bad to the bone till I... Every time I fall down, my soul gon' pick me back up. Every time I'm broke, my homie said, get your cash up. Every time I'm passionate, make sure to note the time so you ain't passing it. Every time I say bye, my friends gon' pick the ash up. Every time I fall down, my soul gon' pick me back up. Every time I got bread, pigeons, they always lash up. Every time I look behind, I find a reason that I can't rewind. Every time I fall down, my soul won't pick me back up. When you fall down for a second, you can get up. That's the only way you reach to the ceiling. And the water too deep, keep your head up. And I wrote him this message. When you fall down for a second, never get up. Concussion is the reason that you bled up. And your bruise look blacker than the steel lung. And you're searching for an exit. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce mardi 27 décembre là. La fin de l'année arrive, hein. Attention, hein. C'est proche. Désolé du retard, hein. Le PC m'a fait le coup de la panne au dernier moment, au moment de l'allumer. J'entends les ventilos, j'entends le disque dur, mais il n'y a pas la lumière, sur le power, donc... Pas compris, j'ai dû démonter le PC. On m'a démonté vite fait le PC pour voir. Ça s'est allumé. Salut Evanou, salut Dylan, salut Mogvou, salut Titi, comment allez-vous? Et ça se trouve, j'ai pas de son du tout. Pas dans le vide. Tout. Enfin, c'est bon. J'ai du son. Vous savez, c'est le genre de panique, tu dis, ah, attends, y a pas de son là. Mais si, y a du son. Eh, quand même, faut pas déconner. Bah, ça va, ça va. À part ce petit coup de pute du PC, mais ça va, quoi. En fait, j'ai eu un truc hier, je sais pas pourquoi, mais le moindre choc, le PC, il reboot. Vas-y, en fait, le siège, là, le fauteuil où je m'assois, a mis un petit coup hier... sans faire exprès au PC, et puis poum, reboot. Je mets une petite claque, boum, reboot. Ah oui, j'étais obligé de mettre une petite claque pour comprendre, voir c'était quoi le problème.
Super, il y a un truc qui date de 2014, quoi. Eh bien, faut qu'on trouve que c'est important pour la masse. Ah. Je sais pas d'où ça vient. Pas grave, hein. Je trouverai aujourd'hui. Je fasse attention à pas mettre un coup en plein live parce que ce serait con quand même d'avoir un live coupé en deux. Hein. Enfin bref. Ouais, hier j'ai vu Sainté perdre. Les mecs jouent, mais pff, ils font rien, quoi. Ah, ils ont marqué un but, oui, certes, mais... La solution de Saïd ? Attends, il y a trouvé une solution, Saïd ? Non, non, non. En fait, c'est bien de mettre des petites images comme ça, là. Non, pas con. Je testerai ça. On va regarder le mail alors. Hop. Ah, j'avoue, je suis un peu perturbé avec cette histoire-là. Le mec, il change son PC, ça fout le bordel. Tu perds, quoi. Ah là là, Roro, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça peut pas être les disques durs. Dans la bûche de Noël. Mais salut à toi, comment vas-tu? Bah, 8ème saison, ouais, bah, on avance. Hier, on
a subi notre seulement deuxième défaite depuis le début de la saison. Le jeu a l'air de se foutre de notre gueule sur un point. Et j'essaye de comprendre pourquoi. Salut D'Angelo. Ça va et toi? Je pense qu'on va passer au jeu direct. De toute façon, avec le retard, voilà quoi. Avec le retard du live là, forcément, je suis en mode, on va essayer de rattraper un peu là, quand même. Mais en vrai, en 8 saisons, on a gagné une Ligue Europa, une Coupe de France. Et on finit soit 5e, soit 3e. Ah, le match de synthé, ouais, bon. J'ai l'impression de plus m'attendre à rien pour synthé, quoi. Y a rien qui a l'air de marcher, ils ont l'air de faire du jeu, mais... Il n'y a aucun contenu, tu vois. Il n'y a aucun résultat. Ils ont des occasions, mais il n'y a rien qui va au fond. Ils ont marqué un but, mais bon. Comment ça peut changer? C'est gangréné, tu vois. Je sais pas. Malheureusement... J'essaie de voir comment mon truc il se met. Mais c'est gangréné. Je vois pas d'autre explication pour synthé. C'est gangréné. Il y a un truc qui va pas. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est que, ok, ils peuvent avoir des passoires en défense et tout ça, mais l'attaque... C'est bien d'avoir des occasions, mais c'est mieux de les mettre au fond, tu vois. Si tu prends le KFM, si t'as 30 occasions et que t'es même pas capable de caler un but de plus que l'adversaire, ça sert à quoi? Au moins, ils auraient ça, ils se diraient, au moins, offensivement, ça fonctionne. On arrive quand même à gagner les matchs, mais défensivement, derrière, c'est limite. Prendre des joueurs, il y a de l'argent, non? Il y en a un peu. Mais qui veut s'empêtrer dans une équipe qui peut finir en national la saison prochaine? Il va y avoir du mouvement, là. Ils vont tenter de se faire prêter un gardien, je crois, avec l'Arseneur. Mais défensivement, il faut corriger, hein. Bon, pour ceux qui étaient là hier, vous l'avez vu, cette magnifique dynamique des 4-0. 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. Et après, on a commencé à baisser de rythme 3-0, 2-0 et tout ça pour derrière perdre, quoi. Super. J'ai l'impression qu'on se fait chier dessus par Lyon, ou plutôt par le jeu, quoi. On perd toujours par un but d'écart. Et c'est chiant. Parce qu'en plus, franchement, on est chez nous et on n'arrive même pas à faire mieux qu'eux. Et les mecs, ils marquent un but à la 95e. Mon menu. Tu parles de ça, là? J'ai mis un lien sur le Discord. Il y a un fichier qui s'appelle View. Moi, un fichier zip. Putain, j'ai le froid là. Je ressens le froid là.
Dans téléchargement de un truc Football Manager, t'as un truc View qui est posté depuis le 2 décembre. En fait, c'est ceux de FM22 que j'ai transposé. Je voulais apporter. Je voulais apporter 2-3 changements, mais j'ai jamais pu faire les 2-3 changements au view que je voulais faire. Ouais, Roro, en fait, dès que t'as trouvé un minimum les bons joueurs, ils durent longtemps. Hein. Bah, le truc, c'est que ça bouge un peu parce qu'il y a des mecs qui veulent partir, t'en as d'autres qui sont plus au niveau. Il y a des opportunités qui arrivent, mais. Sinon, ouais, c'est souvent le même effectif. Et tu le vois qu'ici, tu vois. Arrivé néant. L'an dernier, c'était que des remplaçants qui étaient arrivés. L'année d'avant, t'as eu 2-3 titulaires. Bah, en fait, t'as eu 2 titulaires de cette année. Parce que t'as lui qui est titulaire cette année. Oh, l'a payé 2 millions, ouais. Et t'as lui qui est titulaire depuis qu'il est arrivé, quoi. Salut Danto, comment vas-tu? Donc quoi, ouais, il y a des joueurs qui ont été vendus. Mais ouais, non, dans l'ensemble. Et putain, le câble de souris qui s'enlève depuis quand, là? Un peu dommage, le remplaçant à 16 bio. Ça va, vu ce qu'il a fait comme tas, ça va. C'était sa clause, il n'y avait pas vraiment le choix. Si je voulais un mec qui joue dans ce rôle-là, avec un pied gauche, assez compliqué à trouver quand même, les pieds gauches et tout ça, bah c'était investissement, mais ça va, il vaut quand même plus. Tu rigoles, mais tu me dis, ouais... C'est dommage, 16 millions pour un remplaçant. C'est le problème, c'est le jeu. Enfin, au bout d'un moment, les bonnes affaires, tu te les cartes bien profond. Hein. Si tu veux quelque chose, un joueur d'intéressant au niveau et tout ça, même en remplaçant, t'es obligé d'investir. C'est comme là, hein, je suis en train de recruter un joueur, 25 millions, pour être remplaçant. Mais il a du potentiel. Parce qu'il y en a un qui est en train de... qui dit qu'il partira à la fin de son contrat. Donc j'essaye de le faire partir et j'essaye d'avoir un remplaçant digne de ce nom. Par contre, ouais, je trouve toujours trop léger le côté technique, hein, des joueurs. Non, il y a un problème. Ils ont dit qu'ils avaient corrigé le bug, mais je suis pas sûr qu'ils l'ont corrigé. Hein. Ben ça va, ça va. Ça va dans tout. Ouais, de toute façon, ouais, c'est IRL, c'est vrai que avoir des bons joueurs pas très chers, c'est compliqué. Dans le jeu, faut vraiment tomber sur le bon truc, quoi. Mais ça fait chier parce que les seules 2 défaites que j'ai de la saison, c'est Lyon, quoi. Et oui, en termes d'XG, c'est logique qu'on ait perdu. Tu vois, en termes d'XG, tu dis « Ah ouais, on a perdu ». Mais en fait, on a vu le match hier, tu vois que les joueurs gogolisent. C'est pas normal, quoi. T'es on est obligé de rendre tes joueurs gogol pour qu'on perde, c'est que le jeu a vraiment un vice caché, tu vois.
Ouais, mais le PSG a mis 5-0 à Lyon. C'est le tarif du PSG dans ma partie, là. Ça... Il claque des... Mais oui, mais en fait, c'est que tu vas voir, il y a des équipes qu'on va, on va taper. On a tapé Paris, chez nous. Et là, chez nous, on n'a même pas été capable de taper Lyon. Je comprends pas. Elle est où l'ambiance domicile là qui nous fait défaut quand on joue à l'extérieur? Pourquoi ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas du côté de Lyon? Pourquoi ils ont pas été impressionnés par l'ambiance ou quoi que ce soit? Pourquoi nous quand on va dans une équipe un peu éclatée comme Guingamp, on n'arrive pas à gagner le match alors qu'on est dominant, tu vois? Non, tu dis ça parce que t'es supporter lyonnais. Mais dans les faits de la partie, de l'évolution de la partie, c'est pas normal qu'on perde comme ça. Surtout à domicile. Et surtout de cette manière. Je suis pas du tout partisan en train de cacher, tu sais, son petit écusson lyonnais là qu'il a sur son maillot là. Non, je suis pas partisan. Non, je vois pas de quoi tu parles là, tu sais. Sinon, ça va toi? Tranquille. Il fait beau dehors. Hein. Mais en vrai, dans l'état actuel de la partie. Perdre, ça peut être compréhensible. Perdre comme on l'a fait dans le match, c'est pas normal. Tes joueurs sont sur une putain de dynamique, ils sont en forme. Ils veulent bouffer du Lyon, ils veulent se venger de la dernière fois où ils ont perdu 1-0 à Lyon. Ils sont chez eux, ils sont portés par leur public, ils sont sur une grosse dynamique. Et les mecs sont là en mode, ils restent stoïques pendant une seconde. Voire même plus, attendre que l'adversaire leur pique le ballon. Pour moi, c'est pas normal. Salut, Lord Apocalypse. Comment vas-tu? Et là, ça se trouve, à battre Liverpool, les gars. Dites-vous qu'on va peut-être battre Liverpool alors qu'on se fait poutrer par Lyon chez nous, quoi. Bah, ça va. Ah, il y a des trucs, des fois, je me dis, pourquoi pas? Je pense qu'il y a un problème encore dans le jeu. Ils ne l'ont pas encore assumé. Il y a encore le problème du côté technique là. Je trouve à chaque fois le côté technique des joueurs trop léger. C'est quand tu regardes lui, ça va, mais il y a quand même un seul truc qui est en orange foncé là. Alors que toutes les autres, ils y sont là. Il y a beaucoup d'orange ici, il y a beaucoup d'orange ici. Et là, il y en a qu'une. Bon, elle est proche. Hein. De rien. Mais lui, j'hésite à le vendre parce que j'ai le petit jeune là. Mais en secours. Mais en vrai, ça me libère une place extra-communautaire. Si je le laisse partir. Ouais, l'offre est pas dégueu en état, mais il peut valoir largement plus. Je pense. Après, c'est le seul problème, c'est de savoir est-ce que le jeune est prêt. Est-ce qu'il est prêt à jouer? Pour l'instant, il a plus le niveau de national. Et là, il manque de sang-froid, donc l'envoyer comme ça au charbon, c'est chaud, quoi. Surtout qu'on lui travaille encore sa vivacité. Hein.
Oh, tu vas travailler un peu plus, là. Donc, pour l'instant, je vais rejeter. Joueur secondaire. Et j'aime bien, c'est le Gia Drancy qui sont en Ligue 2. Ah ouais. Mais qui ont quand même le... comme terrain, celui-là de Saint-Etienne. Oui, allez comprendre pourquoi. Allez savoir pourquoi. Revenez avec une offre à 50 millions. Peut-être qu'on négociera à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, allez vous faire foutre cordialement. Là, c'est voir comment on va faire pour... On joue à l'extérieur Montpellier, donc ça va être compliqué. Ah ouais, ils sont pas dans l'abus, les mecs. On a perdu un match depuis une vingtaine de matchs. Et les mecs, ça y est, hop, le soutien, il dégringole. L'atmosphère dégringole. Wesh, il faut doser un peu. Doser quoi. Les mecs ils sont violents ici. C'est n'importe quoi. Je comprends pas. En plus le problème c'est que c'est eux qui font n'importe quoi sur le terrain, c'est pas moi qui leur dis de faire n'importe quoi sur le terrain. Et lui, c'est pareil, je comprends toujours pas son délire de 4 étoiles alors qu'il a un potentiel pour aller chercher les 5 étoiles dans l'équipe. Mais bon. Ah, Vosbo, eux, ils viennent avec une offre. Toujours pas assez. Alors lui, le problème, c'est que je veux techniquement pas le vendre. C'est le seul gaucher qu'on a à disposition. Et il est déjà fort. Donc, il peut prendre la place facile. À moins que là, boum, il y a un gaucher qui pop, tel un Pokémon. Ah, il est les deux. Ah là, t'es droitier, merde, tu nous as fait une prank. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que il me trouve des joueurs intéressants. $25 millions. Ah, ça va, c'est sa clause en fait. Bah vivement qu'un autre se fasse reléguer. Hein. Ah, c'est parti pour. Hein. Hop, un autre se fait reléguer et on le paye 12 millions le mec. Hein. Non, le problème c'est que sur ces postes-là, j'en ai beaucoup. C'est pour ça que lui, par exemple, n'a pas été recruté alors que il y a moyen de le recruter, quoi. Ah, mais lui, il est portugais. Bon, il a tendance à se blesser et... Il fait pas dans la régularité, mais... De toute façon, tu vas le faire jouer où, là? Les gauchers, on a déjà ce qu'il faut.
Je sais pas, j'espère que on va pouvoir relever la tête. C'est dommage parce qu'on était à 2 points de Paris quand même pendant une grosse partie de la saison. Et là, on est à 5 points. J'aime bien, c'est toujours vouloir prendre mes joueurs en prêt, mais pour de la rotation. Bon, bah, on a récupéré le joueur de Monaco. On n'attend plus que l'autre déguerpisse. En plus, par rapport à ce qu'ils avaient proposé, j'ai gonflé un peu. Ils ont accepté direct. On l'a entendu hier, ça. C'est ça, ouais. Il y a Anguille sous roche, quoi. Hop. Pour l'instant, il va pas être utilisé dans la rotation. Alors, par contre, on va lui faire travailler son nouveau poste. Désolé, monsieur. On sait que vous n'êtes pas très fan, mais il va falloir travailler votre sang-froid. Voilà, voilà. Justement, on va travailler le sang-froid, les 30 derniers mètres. Voilà, bonjour. Bon, il a 10 ciseaux à 16, ouais, mais travaille-moi ça plus vite que ça. À moins qu'il y ait un truc qui permette de travailler le sang-froid, mais non, il n'y a que ça, en vrai. Milieu de terrain prodigieux, bah ouais, mais... Voilà, quoi. Il y a des joueurs qui pop des fois. Quand tu vois les offres là, tu fais, mais putain, mais merde, quoi. 6 millions d'euros, tu payes 6 millions d'euros pour avoir le joueur. Mais après, tu vois, y a des petits trucs, mais tu peux pas l'avoir parce que... Voilà. Extra communautaire. J'en ai déjà un en plus extra communautaire, donc dans son cas de figure. Mais j'avoue que ça dégoûte de perdre que 2 fois dans la saison pour l'instant et 2 fois contre le même adversaire. Surtout que il y a des matchs nuls, on avait énormément d'occasions qu'on n'a pas gagné. Après, lui, il faudrait trouver un remplaçant, mais pourquoi pas? Quoique, j'ai essayé de trouver des remplaçants. Eh oh! On bosse là un peu, là. Non mais... C'est quoi cet entraînement à... 7h30, là? Fou, celui-là. Bon bah là j'attends que l'autre parte. Ouais, il me propose des Marquinhos, ces trucs comme ça. Je l'ai regardé, je fais, t'es sérieux là? Par contre, ce qui est marrant, c'est toujours voir comment l'IA gonfle les prix de ses joueurs. À un moment, il était à 7 millions et quelques sur la liste des transferts. 7 millions 5. Là, il a gonflé. C'est peut-être l'inflation, un truc comme ça. Il y a un match le mercredi. Il doit être en retard. Ils ont pas joué samedi dernier. Ouais. Tout ça pour faire match nul. Ouais, super, ça aurait dû donner direct les points. Les 1 point, ça aurait été rapide. Hein. Pas besoin de les fatiguer, les mecs. Hein. Ils ont pas l'air de s'être fatigués sur le terrain. Ils ont mis deux buts chacun. Eux aussi, ils se sont arrangés, ils ont fait un petit business, ils ont fait « je mets 2 buts, tu mets 2 buts ».
Salut The Gaming French. Merci. On essaye, hein. Et là, il veut joueur secondaire. Mais ça sert à rien. Je vais pas vous les prêter pour que ça soit des joueurs secondaires. Alors lui, ce qui est bien, c'est qu'il avait une petite valeur. Et à chaque fois, il gonfle sa valeur au mec. En faisant des offres que moi, je refuse. Eh, ça commence à être intéressant, mais... Et voilà. Le mec, il m'a cassé les couilles pour dire « je veux partir ». Et dès qu'il y a une offre, le mec, il fait non. Je suis désolé, frérot, mais... Tu sais, ton remplaçant est arrivé, je suis obligé de te vendre. Hein. Déçu de pas avoir rejoint le Bayer Leverkusen. Ouais, ouais. Proposer à des clubs, vas-y, on fait grand un peu, hein, petit 20 millions. Non, quoique. C'est louche qu'il pouvait monter aussi facilement dans le prix. Bon, bah, apparemment, ils ont pas l'air. Ils ont pas l'air motivés pour mettre une grosse somme. Mais il faut que j'arrive à trouver un équilibre pour voir qui croquesse, quoi. C'est quoi, c'est mon médecin? D'accord, le médecin chef. Eh, hey, tu dégages, tu m'as saoulé. Proposer à des clubs. 30 millions. Allez, allez les gars, vous pouvez aller encore plus haut, là. Je l'ai payé combien, lui, déjà? 6 millions 5. Oh... Mais ça, il fait grimper sa valeur, à force, non? Non, pas encore. Ah, je crois qu'il va me péter un câble, l'autre, parce que... Villarreal. On va venir tout de suite et on discute. Bah, j'espère qu'ils vont corriger le tir, parce que sinon... Là, le mec, on l'a payé 25 millions pour être joueur secondaire. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'offre. Hein. Hop. 9,90, on a eu un 10 la dernière fois quand même. Un petit effort. Hop. Ah ouais, les mecs, ils sont pas exigeants. On veut la victoire. Les gars, on se remet doucement d'une défaite. Donc, si on fait match nul, ça peut être sympa. Hein. Non, en vrai, on va aller plus le vert. Mais où t'as vu qu'on négociait 15 millions et on a dit 30? Oui, mais on sait que tu veux rejoindre le Bayer Leverkusen, hein, mais... Bayer Leverkusen ne veut pas de toi. Du moins, ils veulent plus de toi.
Je pensais vraiment qu'il allait partir, mais ça dégoûte, hein. Ouais, c'était ça aussi la mauvaise nouvelle. On l'avait perdu à la fin du match, quoi. Avec tous les suspendus, là. Ah bah tiens, justement. Il va jouer, lui. Je mets qui en... Vu que l'autre, je peux pas l'enregistrer. Hop. Oh, il est dans 3 jours. Ça va, alors. Ah bon, hello, il est de retour. 45 minutes seulement. Non, le nouveau, j'attends que l'autre parte pour pouvoir lui donner le numéro, je crois. Parce que le numéro que... Comme ça, au moins, je reste dans des numéros à peu près logiques. Mais il est où, en fait, hein ? Il est là. 26, ouais. De toute façon, tant qu'il n'est pas parti, l'autre, il faut qu'il reprenne un rythme et tout ça... Qui s'habitue à l'équipe, qui travaille un peu son poste. Parce qu'en fait, il n'est pas totalement à l'aise avec le poste. Ok, les mecs sont motivés, inspirés. C'est vrai qu'on a perdu notre attaque corps vedette, quoi, donc ça fait mal un peu. Attends, ça veut dire que Molero revient pour le match contre Liverpool. Intéressant. Mais et où t'as vu qu'il était hors jeu, Carlier ? Oh, le petit péno. Mais le problème, c'est que c'est pas Martinez qui le tire. On va faire un truc. On va donner à Martinez, justement, dans... Il est où, Martinez? Ah, éclaté au sol. Il n'y a que 7 en pénalty. Ah, mais c'est Savio le plus enclin à tirer le péno. Ok, bon, ça va bien. Non, mais il est blessé, en fait. Mais non, c'est... Mais attends, dans la logique des... Je comprends pas, dans la logique, c'est devait être Savio qui tire. Ah, il s'est fait taquer violent par des Lyonnais. Il a été blessé pendant le match. Allez, là, on se bouge un peu.
propose des solutions aux porteurs du ballon, là. Qui n'aille pas chercher des solutions éclatées au sol. Non, ça va. Allez, Savio, il est là. Il a dit, moi, je fais des passes des. Laissez-moi tranquille. Hop, petit contrôle poitrine. Et lui, c'est moi où il a jonglé. Quand même, il a gardé le ballon en l'air en faisant une jongle et après il a tiré. Je vais quand même leur demander de se calmer. Toujours inquiétant là les corners là. Ça, c'est dingue, on joue dans la surface, on a eu qu'un tir contré. Non, un tir hors cadre, autant pour moi. C'était le tir de O'Reilly. Mais il fait quoi? Les gars, mais arrêtez de les donner à l'adversaire. Oh là là. Voilà. Pff, qu'est-ce que je disais? Ils font n'importe quoi. Ça y est, on va prendre des buts. Hein. Il y a un moment donné où il a pas encaissé un seul but. On va prendre tous les buts qu'on n'a pas encaissé. Hein. Même si c'est des buts de merde. Hein. Surtout si c'est des buts de merde. Par contre, oui, t'es bien gentil, mais... Toutes les occasions qu'on voit, c'est nous qui dominons la possession de balle. Oh, il a été fauché, monsieur l'arbitre! Pouah, 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 ce centre. Ah, il y a tout le monde qui marque, là, en attaque. Il n'y a pas de jaloux. Ah non, ça vieux, il n'est pas marqué. Ça, c'est dingue de voir que leur seul tir cadré, c'est le but. Oh, ça passe pas loin à chaque fois, ça broie les couilles, quoi. Allez, on récupère le ballon. La souris, à un moment, elle disparaissait, là, de l'écran. Non, mais ils nous font la même, hein. Allez, Carly. Allez, Martinez, non, 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 on a dit... Arrêtez un peu de faire n'importe quoi. Sérieux, il a quand même fait deux passes D, hein. Je veux pas dire, mais putain. Ah, il veut récupérer son titre de meilleur passeur. Hein. Et imagine, c'est Turpin, l'arbitre du jour. Ça se trouve, c'est lui, hein. Mais c'est Turpin. Avoue, tu l'as lu. T'as vu que c'était lui, tu t'es dit, on va faire la blague comme ça. Ah putain.
Non. Mais n'importe quoi, vas-y, va niquer ta mère. D'où il fait une faute comme ça? Ah mais c'est cool, hein. il y a toujours un truc hein, qui va pas. Hein. Tu mets nos scores et il y a les mecs qui font des dingueries, quoi. C'était quoi la faute? C'était quoi la faute pour qu'il mérite un rouge, franchement? J'aimerais bien qu'un jour, ils mettent le détail pourquoi il est expulsé, là. Tu veux pas enculer. Je sais pas si je fais une modif tactique. Eh. Vas-y, on va tenter une strikerless. C'est dingue, il fait un bon match, il fait deux passes D, il manque plus que son but pour avoir son match parfait, et puis hop, d'un seul coup, il pète une durite et il fait un geste comme ça, je comprends pas, quoi. Je leur dis de tacler plus durement, je leur dis pas de tacler débilement. J'aime bien, c'est qu'il fait la passe là où il y a de l'adversaire. Il y avait de l'autre côté, il y avait des mecs libres et tout ça, et il fait là où il y a personne de libre, quoi. Oh, les dingueries qui arrivent, oh, les dingueries qui arrivent, oh, les dingueries qui arrivent, bravo, FM, bravo, toujours pareil, hein, toujours créer des dingueries, hein. Putain, c'est pas possible, ça. Tout ça parce que le mec, il a passé je sais pas combien de matchs en encaissant de buts, tu lui mets tous les buts du monde. Faut arrêter, quoi. Et après, non, tranquille, y a pas de problème, arrête. Le mec, il fait une passe débile, tu le vois. Il regarde bien l'endroit où il fait la passe, il voit bien que personne peut rattraper la balle comme ça. Mais non, il l'a fait quand même, hein. Non mais franchement, on va me dire ouais c'est normal tout ça, en quoi c'est normal que le mec et il fasse aussi une passe aussi débile que ça? Et moi aussi là, donnez-moi des ballons là, on vous a donné deux ballons là, vous en avez gâché un sur les deux. C'est vrai. Vu sous ce sens, il se reposera, quoi. Il sera à pleine forme. Eh, le retour de... Non. Ah, vous y avez cru, hein. Mais non. Tu me diras, je serais plus serein avec lui sur le terrain. Et on va jouer un peu plus prudent. Quoique, si je jouais plus prudent, j'aurais dû changer un peu le style.
Non mais en plus, rapprochez-vous les gars. Allez, soirée! Putain. Oh, Martinez? Non, bon, dommage. C'est la version. Ah ouais. Putain, soirée, soirée. Mais y'a personne, les gars! Y'a personne qui fait la paix pour ça! Oh, bien joué ça. Non mais Capri, il avait pas pris il est... en deux matchs, il a pris 5 buts, faut arrêter quoi, c'est trop. Quand t'as un bon gardien, que t'as une bonne défense, faut arrêter de les de rééquilibrer les trucs hein. Ah franchement il avait tenté le coup hein. J'aime bien c'est que regardez maintenant on a la possession de balle. On va comprendre. Généralement quand les gardiens font des dégagements on est d'accord qu'ils cherchent à toucher un de leurs coéquipiers. Généralement quand ils l'envoient comme ça c'est l'attaquant. Faudrait m'expliquer pourquoi dans le jeu ils ont jamais le. Ils atteignent jamais cette cible là. Non mais vas-y, putain, t'as tout ton temps. T'as tout ton temps pour tirer. Calme-toi, sans bre-merde. Hein. J'aime bien, c'est que depuis qu'on a changé, on a récupéré la possession de balle. Va comprendre. Ah, on avait un tout petit peu, mais on a récupéré un peu plus là. Alors qu'on joue. J'aime bien les passes réussies alors qu'on jouait pas forcément de manière plus courte. Je suis toujours en live. Parce que j'ai eu le truc rouge sur OBS, pas compris. Bonjour Mika. Comment il va? J'ai perdu 2700 images, ouais. Pas compris. Leader d'équipe, il prend un rouge, quoi. Putain. Ouais, bah ouais, mais j'ai perdu. En fait, pendant un moment, là, je perdais beaucoup d'images. Pour ça. Qu'avez-vous pensé de vous, la bataille tactique? Ça va, ça va. Oh bah là, ça s'est calmé, donc ouais, vous pouvez appuyer sur pause et relancer, ouais. C'est ce que j'ai fait sur l'aperçu de live. Eh putain, ouais, vas-y. Lyon qui fait nul, Paris qui fait nul. Ah super, quoi. Si on n'avait pas perdu contre Lyon, on aurait été au niveau de Paris, quoi. Vas-y. Par contre, les deux buts qu'on a pris, c'est pas mérité du tout. Hein. Vu comment on se les prend, c'est pas mérité du tout.
Eh! C'est proche de ce que. Ah, la contribution salariale! Ouais, ça va. Bon, c'était un rouge direct, je suis désolé, mais Savio, je vais. Alors, c'est quoi? En raison de ses suspensions, nanana, vous a dit qu'il a été expulsé suite à une faute difficilement contestable, faute violente, et que la décision de l'arbitre avait été sous. Ok. Pas d'appel. Et. On met 2 semaines direct, allez, boum. Ah ouais? Le mec, tu oses dire Lyonnais alors que vous venez de faire match nul contre Auxerre? Auxerre, 17e de Ligue 1. Ture pas. Oh. Il a accepté sur l'amende. Ah ben forcément, c'est le moins fatigué de tous. Hein. À part le gardien, c'est le seul qui est pas fatigué. Le mec, il a rien branlé sur le terrain. Bon, bah lui, on va le ramener là. Taras, merci. Cassé quoi. Il y a personne à sanctionner là. Ah si lui. Bah alors. Fait de la merde. Tu m'étonnes le truc de passe moyenne, je viens de tilter. Tu m'étonnes qu'il soit là, on l'a reconverti. Mais ouais, mais c'est bon, je vais jouer bloc bas, on va quand même les prendre, les buts. C'est à un moment donné, c'est pas une histoire de bloc bas ou bloc haut ou bloc moyen ou ce que tu veux. C'est un truc où le jeu veut te pénaliser, je suis désolé, mais c'est trop criant là. Les erreurs que les joueurs ont fait là. Ah oui, j'ai mérité que vous m'insultiez, coach, continuez. Ah oui, j'ai vu encore plus d'avertissements, coach. Des fois, ça fait ça. Hein. T'as la pression quand tu lis les trucs. Liverpool est vraiment mal en point hein, dans leur Ligue des Champions. Non, non, mais il n'est pas sur le départ. Vous avez vu quoi là? Vous avez fumé? 23 millions? Ouais, ça passe.
Attends, il y a un souci là. Putain, les mecs ils te mettent des trucs physiques alors que t'as deux matchs dans la semaine, ils sont un peu cons. Il augmente au fur et à mesure son prix, lui. Alors, ils veulent quoi? Non, ça va, dans les 30 derniers mètres, il est correct. Hein, Ajouter comme tireur de penalty. C'est vrai que... Mais travaille, putain, tes passes, là! Le mec, il est là, il veut pas travailler ses passes. Ok. Il a pas... On plante encore, ouais. En fait, on a toujours la Coupe de France. Je sais plus c'est quand le match. D'accord, c'est Lorient. Au mois de février. Ah, mais c'est Leverkusen qui a refait une offre. J'avais pas vu. Je croyais que c'était le Bayern de Munich qui avait fait une offre pour Bergvall. Bah ouais, il va être content, il va enfin choisir le club qui veut le rejoindre. Oh. See you, baby. Pas lui qui est gaucher. Non, si c'est lui, gaucher avec une possibilité de jouer à droite. Putain, elle a tendance à se blesser. Oh, bah là, il fournit ton truc là. Orteil fracturé, contusion à la cuisse, ligament de la cheville distendu. Ah, le mec, moi je soupçonne qu'il a un ticket avec l'infirmière. Hein. Eh, ça a l'air disputé le match, hein. Eh, Savio, on croit en toi. De toute façon, tu joueras pas le match d'après, donc tu peux être qu'en pleine forme.
Le fait qu'il signe à Sochaux. Allez. Les questions, c'est par essence incliné. Non, non, c'était une éternité. Et puis nous, on est premier du classement et eux sont 26e. Donc, non, non. Et lui, mais non, il est italien. C'est moi ou le jeu en train de me proposer un des joueurs que j'ai vendu? Je viens de voir un nom. Il me propose un des joueurs que j'ai vendu. Un peu con-con le jeu, hein. Non, pas lui. Et lui, on va même faire ça, tiens. Ah, le match contre Liverpool, on va voir. Un nul. Mais en même temps, la dernière fois qu'on les a battus dans une compétition européenne, on a gagné la compétition européenne après. Donc si on perd le match, ça veut dire qu'on va pas aller gagner la Ligue des Champions. Voilà. On est chez nous, on devrait pouvoir faire un résultat. Vous avez la meilleure attaque. Je sais. Voilà. On va tout faire pour gagner. Hein. Même si on n'a pas notre attaquant titulaire. Martinez marque. Donc, c'est pas un problème. Ah
allez les bleus. Ah non, allez les verts. Comment tu peux perdre un ballon comme ça, franchement? Alors moi, ce qui vient de tilter, c'est qu'il a voulu rejoindre une équipe, on l'a battu. Ah, c'est son retour ce soir aussi, mon héros. Tant qu'il se remette un peu en jambes, ça va être compliqué. Hein. On aurait dû le faire jouer, en vrai. On aurait dû le faire jouer sur le match précédent. Mais il était un peu trop juste pour jouer. Putain. Bien joué ça. Maintenant tu vas faire comment? O'Reilly! O'Reilly! Oui! Ça a été compliqué, mais elle est rentrée. Hein. Et franchement, quand j'ai vu cette page, j'y croyais pas du tout. Oh là là, l'ouverture du score, 13e minute. Allez, Marty. La chatte, bah ouais. Salut Mathis. Tu me tâtes, t'as acheté FM23, mais j'ai déjà le 21. Est-ce qu'il y a une réelle différence? Merci. Il y a quelques améliorations, oui, mais... Déjà, si tu te poses la question, une question comme ça, c'est que ça pue un peu pour toi. Hein. C'est que t'as pas envie d'investir en disant que tu risques de jouer au même jeu, quoi. Ah, dommage. Ah, il fait tout hein, pour pouvoir marquer. Hein, mais... Oh, Riley, t'es gaucher. Alors, faudra m'expliquer où tu vois la possession de Liverpool dans le match, parce que de tous les temps forts qu'on voit, là... Liverpool, ils ont pas la possession de la balle. Hein. Lui, il va se faire tacler à un moment donné. Mais... Oh là, il y a un péno là, garçon. Attendez. Penalty. Ah bah si, ça vieux, il était ajouté, c'est bon. Allez, Savio, nous déçois pas. Allez, Savio, nous déçois pas. T'es qu'une sombre merde. Non mais sérieux, avec un sang-froid pareil. Mais il a fait quoi? Il n'y avait aucune conviction dans son truc, tu sais pas. Tu sais pas si c'est un tir ou une passe. Ah bah tiens, la dernière fois, on avait un joueur comme ça au sol. Ils sont pas revenus à la faute. Du moins, ils sont pas revenus au fait que le mec était blessé au sol. Bizarrement, là, le mec est blessé au sol. La balle, elle doit sortir en touche pour qu'on s'occupe du gars. Un peu gros, quand même.
Ah ouais, on est vraiment dans le même nombre de passes, quoi. Oh, j'allais dire, attends, ça va passer ça? Mais non, il s'est pas visé son attaquant, notre gardien. Allez, vas-y, ça va faire but. Non? On s'en va. Quoi? Mais où il l'a contré? Est fou ce jeu. Allez, Savio, rattrape ta connerie. Allez, Savio, fais une belle passe D. Je t'en veux pas, parce que là, c'est quand même du mec qui fait la tête. Il doit avoir deux en jeu de tête, un truc comme ça. Bah non, il a 11, ok. Une excuse, là, quand même. Savio, il fait vraiment un match de merde, hein, c'est triste. Hein. Il va devoir sortir. Et pourtant, c'est pas le joueur, il joue pas entre deux matchs. Donc il pourrait rester sur tout, pendant tout le match. Hein. Désolé, mais il va devoir sortir. Mais il n'y a personne, frérot! Yeah. Voilà. C'était sûr, mais ils font n'importe quoi, les mecs. Il n'y a aucun mec qui va se battre sur la retombée du ballon. Forcément, qu'on va se prendre un truc. Le mec, il est libre. Regardez, hop! Et l'autre, il s'écarte. Il s'écarte du mec au lieu de le coller et l'empêcher de tirer. C'est n'importe quoi, ça. C'est toujours pareil. Hein. Il y a toujours des conneries qui arrivent au moment inopportun, quoi. C'est bien parce qu'il y a le trois quarts de l'équipe qui sont fatigués. Putain, ça casse les couilles, ça. Tu mènes au score et incapable d'aller planter le deuxième. Et là, les mecs, ils te font une transversale ratée. Il y a deux mecs au niveau du joueur qui est adverse qui récupère la transversale. Et il n'y en a pas un qui se dit à un moment donné, on va l'empêcher de toucher le ballon. Allez, Aubert, putain, il est temps à nouveau là.
Ça va être au deuxième poteau, ça. Bah ouais, mais bon, le mec, il saute pas. Il est pas hors jeu. Allez les gars, là, vous pouvez piquer le ballon et marquer. Mais putain, il faut pas me dire que le... c'est quoi son problème pour rater la passe là. Non mais ça va, c'est trop là. On a eu la domination totale du match et... On était bien en première période. Hein. La seconde période, on n'a rien fait. Tu m'étonnes qu'on se fasse égaliser sur leur seul tir cadré, putain, en plus. Regardez, on rate les passes. On est à 88% de passes réussies en première période. Et en seconde période, le miracle de la vie fait qu'on a plus, on a plus la possession de balles, on n'a plus rien. C'est what the fuck, quoi. Tu vois toutes les passes ratées en plus. À un moment, faut doser quoi. Sans compter que l'autre qui a 16 ans sans foi qui rate le péno quoi. Ah ben sois courageux, je m'en bats les couilles hein, mec. Sandek. On l'avait pas remarqué qu'il avait fait un truc de merde. Ah super. On va perdre contre le Bayern et on va se faire sortir du top 8. C'est écrit ça. Celui-là, c'est un match, tu vois, t'as tout pour remporter, t'arrives pas à le remporter, quoi. Tu te fais douiller à la fin. Comme d'hab, quoi. T'as ton meilleur joueur qui fait de la merde. Parce qu'il aurait pu remonter sa note, hein. En vrai, hein. Il aurait pu remonter sa note quoi qu'il a, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Il était pas obligé de rester à 6-2 ou descendre 6-1 parce qu'il a raté un péno. Hein. Ah ouais, c'est vrai, je vais pas pouvoir le... Non. Je vais le critiquer pour son match. Quoi? Mais mec, tu fais une note de 6-1! Va te faire baiser, à un moment donné, t'as 6-1. Non, c'est Beckman qui avait fait un match de merde. Hop. Bah, l'attaquant, il avait rien à se mettre sous la dent, donc c'est vrai en plus. Vu la note de l'attaquant. Malo. Ouais, on peut le sanctionner. Aubert, bah. Pff, tu vas prendre chaud aussi. Ça dégoûte, ça. T'as les mecs, le mec, il est passé à travers, quoi. Comment il a pu passer à travers? Lui, c'est pareil, il rate un péno, mais... Putain, en plus, c'est pendant une de nos dominations qu'on prend le but. Mais ouais, mais de toute façon, je l'ai dit. Le mec, c'était trop beau pour être vrai. Je l'ai dit.
C'est trop beau pour être vrai. Enchaîner autant de matchs sans encaisser de but, à un moment donné, ça devait tomber. Hein. Et on prend des buts à chaque match. Tu prends deux buts contre Montpellier, tu sais pas d'où ça sort. Tu perds contre Lyon, tu sais pas d'où ça sort. Là, tu te prends le but, tu vois très bien comment ça sort, là. Les mecs, ils font n'importe quoi. T'as l'autre qui continue pas son marquage. Compliqué d'espérer quelque chose dans ce match. Hein. Non, il y a intérêt, là. T'aurais pu travailler un peu la déter, hein, ça aurait été bien. Régulier. Super. Ah, le mec, il a perdu en courage, mais pourquoi? Moins deux en courage, mais il revient de blessure, il devrait pas avoir... Mais attends, il les a perdus qu'il y a peu. Non, attends, le 29... Il s'est blessé quand? Le 29-12. D'accord, il s'est perdu en cours, quoi. Ah, il commence à me manquer, Deran. Regardez, 3 d'XG, quoi. Putain, vas-y. Pourquoi je te le prêterais alors qu'il joue? Offre de Porto. Bah, c'est un peu léger quand même. Hein. Moi, je veux la grosse fourchette. Hein. Je veux pas la petite fourchette. Attends, déconnez pas. Non, mais sérieux, abusez pas. On entend un bruit. Deux matchs, quoi. Ça veut dire qu'il joue même pas le match de Coupe de France. Oh, qu'est-ce que j'en ai à secouer de Lille. Hein. Il y a que Mika qui peut être content de voir que Lille est 13e dans le jeu, là. Ce qui me tue à l'opinion, c'est où ils sont, où, Lens? C'est vrai que je tilte pas, mais Lens, ça fait un moment qu'on les a pas vus. Ouais, ils sont 10e. Je l'ai cherché désespérément, quoi. Tiens, je sais même pas ce que je vais faire demain, si je fais du FM ou pas. De quoi, Lille?
Y a moi ce mec pas professionnel du tout, quoi. Non, lance. T'as pas pris de lance dans ta partie? Tu voulais pas gagner. Je comprends, c'était trop facile de gagner la Ligue des Champions avec, avec Lens. Bah, je peux comprendre. Par contre, je sais pas qui mettre zone de passe concédée. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner du passe concédée qui est effectué dans l'axe. Ah, ouais. Par contre, il n'y a aucune solution parce que la solution elle est déjà dedans. On va mettre Boyer. Tiens. Et on va mettre lui ici, tiens. Oui, je pourrais mettre lui, mais j'attends la vente de l'autre. Ça ferait être trop au milieu de terrain, là. Yes, c'est vrai que... Faut le sauver le soldat Lensois. Ouais, l'efficacité, ouais. Défensivement, c'est pas la même, hein. Ils sont les pires. Des gros tocards. Ta remixer, hein. J'ai pas retardé Saint-Étienne, j'ai regardé, ouais, Saint-Étienne. Ouais, c'était comme d'hab, quoi. Ils ont le chic pour te donner un espoir, mais... En même temps, quand tu vois, j'ai pas vu le début du match et ça a à peine commencé qu'il y avait déjà un but.
Salut Bix. Ça va et toi? T'as regardé hier Saban? J'ai pas fait attention. Ah mais putain, mais comment tu peux rater ça? Ouais, mais bon, il a réussi, on aurait dit c'est génial, tu vois. C'est comme le cas Mbappé, le truc, c'est... Il va provoquer, ça va rater, nique ta mère le jeu, putain. Non mais sérieusement, le jeu a décidé de m'enculer aujourd'hui, c'est pas possible. Y'a personne qui réagit sur le tir. Encore une fois, les mecs, ils perdent le ballon comme une bite. Non mais arrête. Non mais là, c'est pas crédible. Ce que fait le gardien, c'est pas crédible. Là, c'est ce que j'allais dire, tu vois, Mbappé, il va beaucoup provoquer, il va beaucoup rater, mais dès qu'il va en réussir un, ça va être du génie, tu vois. Peut-être que Saint-Etienne a besoin d'avoir des joueurs qui réussissent des trucs, tu vois. Vu que sur le plan collectif, ça change rien. Peut-être les individualités qui vont faire quelque chose, hein. Bonsoir, il a dit, alors qu'il est 11h. Salut Chris, comment il va? Enfin, repos. Non mais regardez, encore une fois, un tir cadré, ça leur suffit. Hein. Ça casse les couilles, toujours cette efficacité de l'IA, quoi. Salut, je suis seul. Merci pour le follow, YeFoot, bienvenue à toi. C'est juste abuser cette efficacité de l'IA. Elle te cadre une frappe, ça y est, c'est fini. Et tu vois le mec, il fait... C'est quoi cet arrêt de bite, quoi. Non, l'idée des jeunes, c'est une cata, en vrai. Ça fait plusieurs saisons que les mecs ils tentent de faire jouer les jeunes et c'est pas ouf. T'as besoin d'expérience quand même. Tu peux pas compter que sur les jeunes à droite à gauche, quoi. Mais de toute façon, ça fait deux années que le club, c'est la troisième saison où le club, il tente de se maintenir. Et là, il tente de se maintenir dans la division où il a été relégué. Ah, c'est même plus que de l'expérience. Il faut plus que de l'expérience. Ils ont pris des mecs d'expérience. Ça change quoi? Rien. Il faut aller chercher le mal plus profond, hein. Mais oui, mais le truc, c'est que quand ils font ça, ils font de la merde, les jeunes du centre de formation. Regarde Green, il faisait des bons trucs, puis d'un seul coup, il a dégoubillé. Il y a un mal qui est bien plus profond que des joueurs sans expérience ou quoi que ce soit, tu vois.
Ah, je pense que Batless aurait pu faire du bon taf, mais... Mais il y a des trucs qui a dû être fait autrement, quoi. Il a quand même fait monter 3 en Ligue 1, tout ça. Bon, il a pas pu tenir assez longtemps son poste pour pouvoir... Pour pouvoir dire qu'il était capable de maintenir 3 en Ligue 1. Mais de toute façon, le truc, c'est que tu le diras à chaque coach. Tu vois, il y a... les coachs, ils peuvent pas faire des miracles. Hein. Si l'équipe est gangrénée par des trucs... extra sportif, tu peux rien faire. Non mais là ça y est, on est dans le truc où les mecs ils ont décidé de pas jouer au foot correctement, quoi. Non mais ça va, toujours plus, putain. Mais mec, pourquoi il l'a laissé couler en touche? Je comprends pas des fois les choix des joueurs. Il la laisse couler en touche alors que le... Il aurait permis de se repositionner à cause de la touche. Là, tu pensais vraiment qu'il allait marquer, quoi. Mais ils sont déjà descendus Big, tu vas pas redescendre encore une fois et dire il va falloir repartir sur les bonnes bases. Si on se dit ça à chaque fois, tu retrouves en National 2 Saint-Etienne. Hein. La Ligue 2 devait être déjà un truc pour repartir sur des bonnes bases. Ils ont changé quasiment tout l'effectif à ce niveau-là. Ils ont viré le peu de joueurs qui tenaient la baraque. En Ligue 1, pour virer les gros salaires et tout ça. Tu peux pas dire on va repartir sur les bonnes bases. C'est déjà la relégation était pour repartir sur les bonnes bases. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, t'as toujours des mecs qui foutent leur nez là où ils font pas. Et c'est le problème. Faut changer la direction depuis un moment et ça devient trop. Le soir, ouais. Et là, on met... Ah, j'ai pas mis le bon. Ah, fait chier. Tant pis. Bah, c'est étonnant parce qu'apparemment, depuis le début de saison, c'est pas forcément la folie, lui. Ah, merde. Quitter le vestiaire. On est sur le banc de touche, connard. C'est comme à une époque, les bannis de Puel qui quand ils les ont fait revenir, c'est eux qui sauvaient le cul à Puel, tu vois.
Ouais, bah, je suis d'accord, mais le truc, c'est que beaucoup de supporters se sont plaints de Briançon. Hein. Donc peut-être qu'il est revenu en meilleure forme grâce à la trêve. Peut-être qu'il a pu se ressourcer, tout ça. Il est revenu encore plus conquérant. Et c'est tant mieux. Mais tu vois que c'est le seul, quoi, en fait. C'est le seul qui apparemment est revenu comme ça. C'est horrible de voir toutes les occasions qu'on a et qu'on n'arrive même pas à planter. Parce qu'on a 11 tirs contrés, quoi. Et l'autre qui est arrivé avec Briançon, il est où? Le deuxième, la défenseur, deuxième défenseur central, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais je vais peut-être le trouver en allant le regarder dans la base de données de FM. Attends, quoique ça va me venir. Putain, le match nul alors qu'on pouvait... Ça dégoûte. Non, pas Nadé. Bah, Paris a gagné, donc... ils l'ont à gagner. Vas-y, foutez encore plus de pression. Putain, on restait à 3 points de Paris, on battait Paris, on avait une chance de passer devant, quoi. Non, pas Nadé. Là. Giraudon. Bah ouais, mais le problème c'est que tout le monde est une catastrophe dans l'équipe, donc tu peux avoir confiance que sur deux défenseurs, c'est compliqué, hein. Par contre, oui, l'équipe des U19, elle perd jamais avec la tactique. Hein. Et que l'équipe réserve soit bien placée là, au classement avec cette tactique-là, dit qu'elle est clairement meilleure, hein, que l'année précédente. Ouais, mais le truc, c'est que Lens s'est jamais retrouvé dans cette truc-là en descendant. S'est jamais retrouvé dans le truc où ils se sont retrouvés limite à se faire relier d'une division supplémentaire. C'est tu rigoles, mais c'est une défaite contre Lyon. La seule défaite de l'équipe, c'est une défaite contre Lyon. Non, mais je parle pas de financièrement. Là, ça fait quand même pratiquement une moitié de saison que Saint-Etienne végète à la 20e place. Là, c'est presque acquis que Saint-Etienne, s'il continue comme ça, ils sont en national la saison prochaine.
Mais c'était quoi? C'était la saison directe de Ligue 2, descente Ligue 2, ou une saison à, quelques saisons après? Il y a eu les deux. J'ai pas reposé l'effectif. Mais quel connard. Mais là, ouais, le mec, là, que vous disiez, c'était l'investisseur, la Mamadov, l'investisseur, mais t'avais toujours le même président. T'avais Gervais Mattel. Je sais même pas si. J'ai même pas fait attention s'il y a encore. Il est toujours à la tête ou pas? Ou c'est un nouvel. Un nouvel président que vous avez à Lens. Président d'honneur? Bah, c'est qui le grand Joseph? Joseph.